shit. Allah rahmat. Essaye le killer, faut faire ça bien. Donc on parle, ok. 07, 08, des multis, journée banale, le chicard. Ça parle, ça fume toute la journée. J'étais avec essai, puis c'était mon couvre-feu, fallait que je démarre. Donc j'ai laissé au chicard, posé chez moi, je me sentais pas bien. Lendemain matin, je marche au Bougistar, direction chez essai. Personne ne répondait. J'étais avec Jojo, Tony nous appelle, nous raconte cette mésaventure. Une madame nous a quittés dans la soirée. Posé avec mes gars, on pète des câbles. Ça aurait pu être moi, ouais, ça aurait pu être moi. Hamad Allah et Rahmet, j'étais là sans y être. On commence à se faire du pif, on était content. Puis cette nouvelle nous a jeté. Harry ça pète dans l'hôtel, les gens parlent de lui. La procureure bafoue cette salope, LMX ça va péter. Et je fuck cette justice de merde, ce son est pour toi. Tu reviendras pas, ça on sait. Les chiens de la casse favorisent cette police. Moi je dirais que c'est le milice France. Tu vas souffrir, tu vas mourir sur notre guerre. Bientôt Daram, on va prier pour toi. Je parle au nom de tous ceux qui t'aimaient. Derrière ce son c'est un poème. Madame la proc, NTM, va niquer ta mère, toi et tous ces feux que. Dans ma tête la bombe a déjà pété. Ouais, la bombe a déjà pété. J'en place une pour les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Des images restent gravées dans nos urnes. J'en place une pour les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Des images restent gravées dans nos urnes. J'en place une pour les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Ton image reste gravée dans nos urnes. Dans nos urnes. Je me rappelle du regard de Sahraoui qui m'avait lancé quand on était posé à la chicha de l'Eden. Bigou, tu te rappelles qu'on était posé en train de fumer quand il t'avait donné sa chaîne sans zen. Sur ce son, je reste zen. Mais attristé, je suis au bord du bout. Mais j'ai le courage, il faisait partie de mon entourage, c'était grave. On sort de l'Eden en train de rigoler. J'ai maté le sourire de Sahraoui de Bigou. On était sans dépression, il était l'heure de rentrer chez eux. Il y a un malentendu. On était monté dans la voiture en sachant qu'on courait un grand risque. Dans la voiture, on était posé en train d'écouter du Tupac. On était à l'aise, on rigolait sans haine en sachant qu'on courait un grand risque. Soudain, on aperçoit les FQ, mais on reste à l'aise avec la haine. Poursuivi par les FQ en sachant qu'au tournant, tout s'est mal passé. On a cessé de rigoler, on a pris ça au sérieux. Ouais, en très au sérieux. On a laissé la voiture, chassé par les flics du Gomissi. On prend la même direction, intuition et tension. On courait sans savoir où aller et quelle direction où aller. Soudain, Bigou abandonne, mais je lâche pas l'affaire, je continue à courir. Et toute ma vie se défile devant moi. Ma mère, mon père, sa mère, mes frères, mes potos, en sachant que j'avais sauté sous l'eau. Mais ma vie remonte à la surface, j'étais face à deux flics. Mais sans peur, donc on me met les menottes et on me ramène au poste. Sans zen, mais je reste zen. Je savais pas où était Sahraoui, j'ai cru qu'il s'était enfui. Donc j'ai nié aux flics qui il était, en sachant que j'ai reçu plusieurs coups et plusieurs coups. Mais j'avais toujours le sourire, les flics avaient la haine, mais je reste zen. J'étais en gare pendant 5 heures jusqu'au moment qu'un flic me dise que le conducteur est mort. Mort, noyé, j'avais la tête nouée, sans savoir où j'étais. Donc j'avais tout perdu et tout ému, en sachant que j'avais passé beaucoup de temps avec lui. De tout ce qu'il me disait, tu te rappelles les vacances à Agadir. En dernier, tout s'est mal passé quand tu me disais je t'appelle quand y'a problème. Dans toutes les histoires qu'il a connues, j'étais toujours là pour lui. C'était vraiment un Sahraoui, c'était un courageux. Il n'avait peur de rien, il avait toujours plein des billets. Il savait comment s'en faire, toujours la tête dans les affaires. Il était là pour moi, j'étais là pour lui. Et ouais, c'est la folie. J'en place une pour les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Des images restent gravées dans nos urnes. J'en place une pour les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Des images restent gravées dans nos urnes. J'en place une pour tous les frères qu'on a perdu. Des souvenirs et des larmes qu'on s'en a plus. Dur, dur pour nos frères qu'on a perdu. Ton image reste gravée dans nos urnes. Dans nos urnes. Dans nos urnes. Ok les gars, vous vous rappelez Alkiller et Yassine quand on était chez Alkiller, on était en train de vous les poser au studio, tout ça, vous vous rappelez? Ouais, on se rappelle, ouais. De toute façon, ça pouvait être nous, hein. Bah ouais. Tout ça, bah ça, on rend hommage toujours là. On est solidaire, mon frère. Voilà, quoi qu'il arrive, Hameda, on rend hommage. La rahmat, mon frère. La rahmat, mon frère. Dans notre cœur, mon frère. Ça gravé dans notre âme, mon frère. Voilà. On va toujours poser pour toi. Y'a rien.